Bah, moi, je crois que je vais gagner le prix de l'info la plus mignonne ce soir avec une info très simple, un bus scolaire pour chiens. Un vrai bus de ramassage scolaire, sauf que les passagers sont heureux de monter à bord. C'est une dog sitteuse, comme on dit, de l'Alaska, une jeune femme qui vient chercher votre chien pour aller le promener dans la nature. Les chiens vont à l'école. Elle a monté, comment ? Les chiens vont à l'école. Oui. C'est un bus à l'école scolaire, de la ils nature. Vont pas à l'école. Ils vont dans la nature, respirer. C'est pour ça qu'ils sont contents de monter dans le bus. Ils ont des elle ceintures. A monté ce projet et tous les jours, elle passe chercher les chiens chez eux. Je pense que ce qui est plus drôle, c'est de voir qu'ils connaissent leur place dans le bus et qu'ils l'attendent comme nous, sauf que comparé à nous, là, le bus, il arrive, vraiment. We're waiting for the bus. Good morning, Amaru. Good morning, Jake. Well, good morning. Tous les propriétaires de chiens autour de la table. Oh, c'est trop mignon, je le veux pour moi. On est d'accord que cette info ne sert à rien, mais elle est mignonne. À l'intérieur, c'est une distribution de friandises pour les chiens, des chiens attachés, bien sages dans le bus, et un conducteur qui leur parle comme à des vrais passagers. All right, I hope everybody enjoyed their trip today. And remember, your guide's salary depends greatly upon the quality of their service and the generosity of your gratuity. Des alors, rencontres. More_mountain_mutts. C'est le nom de ce compte Instagram où vous suivrez les aventures, TikTok, les aventures de ces chiens en bus. 1 200 000 abonnés sur TikTok et déjà près de 28 millions de j'aime sur ces vidéos. Et tous les jours, c'est des chiens différents ou c'est les mêmes ? Ils sont des mêmes habitudes. Sinon, ils ne connaîtraient pas leur place. Il y a des couples et qu'on met dans le truc TikTok. Oui, exactement. Et puis, c'est ce que je voulais dire. Beaucoup d'habitants en Alaska, je pense qu'elle a une clientèle et qu'elle s'y tient. Mais j'improvise là, j'en sais rien en vrai. Voilà, c'était convaincant. Dans ce cas-là, Motus, on prend un air sérieux et on enchaîne. Moi, Faustine, j'ai peut-être une idée de thème pour votre émission. En tout cas, j'ai un témoin parfait pour vous. Il s'appelle Oscar Angarden. Il a 38 ans, il est marié, père de 2 enfants et il est fan de CrossFit. Si je vous parle de lui, c'est que ses entraînements qu'il filme et publie sur ses réseaux sociaux ont beaucoup de succès. Regardez, en même temps, il se donne vraiment corps et âme. Il sait tout faire, des pompes, des poussages de fonte, des squats, des fentes, tout ça, t-shirt mouillé, ce qui attire toujours autant de fidèles. C'est que Oscar Angarden, c'est pas un coach sportif, c'est un pasteur. Aumônier de l'hôpital d'Uppsala, au nord de Stockholm, en Suède. Et ce qu'il dit, c'est que quand il fait la musculation, c'est aussi une interaction, une prière pour Dieu. Ça, il faut bien le recevoir. Il y aurait plus de monde à la prière s'il y avait plus de t-shirts mouillés. Pour voyez ça. Mohamed. Hier, je vous soumettais sur le plateau les dernières pépites parmi les inventions qu'on peut trouver au CES. Ça a lieu actuellement au Consumer Electronic Show de Las Vegas, le plus grand salon high-tech qui va se conclure dimanche. Hier, Babette, vous avez acheté le coussin anti-ronflement pour certaines personnes autour de la table. Patrick s'est offert le masque pour ne plus vous entendre au sein de la rédaction. Aujourd'hui, non, je l'ai offert. D'accord. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle proposition à vous faire. Une célèbre marque de cosmétiques française a présenté une innovation qui pourrait faire gagner du temps à des millions de personnes qui se maquillent. Fini les brosses, le gel et le crayon. Je vous présente le Bow Magic afin de vous dessiner des sourcils parfaits via une application smartphone. Comme d'habitude, votre visage est scanné. Et grâce à la réalité augmentée, on vous propose des recommandations de maquillage que vous personnalisez à l'envie. Et après un petit mouvement de poignet sur le sourcil, le tour est joué. So this is the L'Oréal Brow Magic, literally a brow printer for your face. You take a picture and based on your face shape, your brow shape, it'll recommend your perfect brow. Et voilà, vous prenez une photo de votre visage, on vous donne une recommandation et tac. Il faut pas se tromper quand tu passes la machine, non? Et ça vous met des sourcils. Mais faut pour ceux qui n'en ont pas, alors. Et la machine va sortir en 2024. Non, mais si on vous imprime aussi la raison, il faut quand même. Bah, il faut se raser les sourcils. Oui, ou alors sinon, c'est avoir sur les vrais, ça les maquille. Oui, sinon c'est juste comme un shading où on refait les trucs. Mais moi, je peux imprimer le visage de Faustine sur le visage. Là, dans le cou, j'aimerais bien. Merci pour ces infos express. J'adore vos infos express. C'est vrai, elles sont validées par Faustine.